Nantes, en Loire-Atlantique, environ 250 000 habitants et ce qui n'est pas si fréquent, deux quotidiens locaux. Ouest France, le mastodonte de la presse régionale, présent mais pas leader. Car ici, le numéro 1, c'est Presse Océan. 90 000 exemplaires vendus par jour, dont 60 000 sur Nantes Agglomération. Le titre appartient au groupe Hersant. En gros, c'est un journal de droite modérée. Tout à fait, c'est une droite modérée qui correspond bien au climat ambiant de Nantes. C'est pas une ville d'excès ici. Et aussi bien dans la politique que dans la vie habituelle, c'est plutôt une ville de modération et de quiétude. Michel Bodiguel écrit 3 éditoriaux par semaine et une chronique politique tous les samedis. Le sujet qui agite en ce moment la classe politique nantaise, c'est la décision du RPR de limiter à 75 ans l'âge de ses candidats. Car le patron de la droite locale et de la région, c'est Olivier Guichard, qui, comme tous les gaullistes historiques, n'est plus tout à fait un gamin. Actuellement, moi, mes pronostics, je dis que si M. Guichard n'est pas capable de se présenter, il est probable que la région bascule à gauche, et ce qui serait quand même un fait un peu nouveau. Donc c'est lourd de conséquences. Je ne sais pas si tu as voté ça, la limite d'âge, l'âge canonique du président. Non, moi je suis parti avant le vote. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bon, je pense que si j'étais Juppé, je n'aurais pas voté le départ de Chaban et pour cause des limites d'âge alors que je savais qu'il allait se retirer. Non? Imagine que Guichard conduise une liste régionale, comme les autres seront, quelque opinion qu'on ait de Guichard, seront moins bien que lui, en tout cas il aura une puissance négative formidable. Donc tout ça est absurde. Il faudrait mieux de s'occuper de leurs problèmes. Sourire et tutoiement ne doivent pas occulter la réalité. Entre journalistes et politiques, les relations sont compliquées. Les premiers sont attachés à leur indépendance, les seconds à leur mandat. Un article qui fâche et le sourire d'un jour se transforme en grimace avec lettre à la direction. La direction a reçu une lettre un peu furibarde de l'éminent parlementaire. Je me permets de vous rappeler, écrivant à ma direction, que nos relations sont amicales depuis longtemps. Elles ne le sont plus du tout avec M. Bodiguel depuis longtemps aussi. C'est-à-dire qu'il avait complètement coupé les relations avec moi. Bon, ce sont des humeurs passagères. Bah, parlons d'une femme, par exemple, puisque nous avons la chance dans cette région d'avoir Mme Hubert, ancien ministre, qui n'est pas d'un tempérament facile. Je vous donne une preuve. Alors, Mme Hubert conteste l'interprétation que je donnais des incidents dont elle était victime, et elle écrit que Michel Bodiguel, c'est-à-dire moi, dépasse les bornes de l'impertinence, et en me présentant, écrit-elle, comme une inconsciente, il porte atteinte à ma crédibilité, et pire, laisse supposer que j'ai pu vouloir exploiter cette situation pour faire parler de moi. Ces interventions sont d'autant plus fréquentes que les journaux sont puissants. Il faut savoir qu'à Nantes, quand Presse Océan vend 60 000 exemplaires par jour, Le Monde en vend moins de 500. Pour les élus, l'indifférence d'un titre est donc inacceptable. Bon, je veux dire qu'il est très difficile de se passer d'une sorte de soutien, fût-il objectif, de la presse locale. Ça me paraît impossible, impossible. Parce que je le retrouve au coin des témoignages des lecteurs qui disent « Ah, hier, j'ai vu, demain matin, on annonce qu'il y aura un truc de vous, etc. » Donc, les gens lisent. Avez-vous le sentiment que les journalistes politiques font la politique? On n'élit pas un maire, pas nous. On peut éclairer les gens sur des choses importantes dont les politiques ne parleraient pas forcément, mais c'est évidemment l'électorat qui fait son choix. Dans l'aspect de la politique, la gestion de la vie du citoyen, oui, on y participe beaucoup. Il me vient à l'esprit un exemple qui est peut-être dérisoire, mais à mon sens révélateur. La municipalité, pour des raisons d'urbanisme, avait décidé d'abattre des platanes. Et c'était mal vécu, à la fois par les riverains, par les habitants. Et on a fait vraiment une chronique très suivie. Et à tel point qu'on a agacé, visiblement, puisque les derniers arbres ont été abattus de nuit, précipitamment. Ça a évité toutes les photos dans le journal. La qualité des relations n'a souvent rien à voir avec les tendances des uns ou des autres. Presse Océan, journal de droite, est théoriquement l'adversaire politique de Jean-Marc Ayrault, le maire socialiste de Nantes.
Ouais, ça va, oui. Ça va, j'arrive de Paris, donc je t'ai fait un petit peu attendre, mais... Le PS est aussi attaché à moderniser un peu la vie politique, il y a des propositions. On a fait des propositions. C'est pas sur l'âge, mais sur le cumul des mandats, il y a des... Oui, on peut pas être ministre et en même temps diriger une grande ville ou un département ou une région. Parce que... C'est-à-dire que tu refuserais d'être ministre. Ce que nous avons décidé dans le Parti Socialiste, c'est qu'une loi prévoit que lorsque un maire devient ministre, automatiquement il abandonne sa fonction de maire ou de président, et s'il n'est plus ministre, il la retrouve ensuite. Mais pendant la période où il exerce des responsabilités gouvernementales, c'est-à-dire au fond pour l'ensemble des Français, il se consacre essentiellement à ça. Ces deux hommes ne se tapent pas dans le dos, mais ont des relations de confiance. De toute façon, le maire pratique peu le off et a donc peu d'occasion d'être trahi. Ça a coûté un peu grossier. Mais ses coups de fil de temps en temps, lui il m'appelle ou moi je l'appelle, je lui dis, il y a telle chose, qu'est-ce que... Bon, mais après il fait son papier et puis on n'y part, on ne jeûne pas ensemble, on voyage pas ensemble. Ça nous arrive de déjeuner ensemble quand même de temps en temps. Oui, enfin quand... Tu me reproches qu'on déjeune pas assez souvent ensemble, c'est ça finalement? Peut-être. Il y a toujours un risque, ce qu'on pourrait appeler le copinage, c'est-à-dire si on est trop copains, il y a un moment où on n'est pas franchement indépendant, et, ni l'un ni l'autre. Bon, je crois qu'au bout d'un moment, il y a une confusion des genres. C'est-à-dire le politique se voudrait un peu journaliste, puis le journaliste voudrait être aussi politique. Et ça, c'est pas simple. En somme, tout est affaire d'éthique personnelle. Chacun connaît qui un journaliste peu scrupuleux, qui un politique indélicat, mais ce sont toujours les autres. En ce domaine, la vertu s'affiche plus facilement que le vice. C'est pareil, hein. Voilà.